Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo création, ça faisait un petit moment. Hein. Alors donc là je vais changer de support, je vais prendre un tag, donc comme vous voyez il est pas blanc, il est un petit peu couleur crème, donc ça va influencer un petit peu les couleurs que je vais mettre dessus. Donc ce tampon c'est un de mes nombreux tampons Lily of the Valley. Alors là je vous fais voir que je vais utiliser l'essence minérale et donc eh bien les petites estompes qui vont avec hein, parce que avec le doigt ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, donc c'est des estompes ou des estompes, je sais jamais comment on dit, je crois que c'est des estompes qu'on utilise traditionnellement en fait pour avec du crayon à papier si j'ai bien compris, mais que nous on détourne un petit peu pour l'utiliser comme vous le voyez avec donc des crayons de couleur. Alors ça c'est des crayons de couleur aquarellables, donc les Faber-Castell et les Derwent que je viens de vous montrer. Et donc j'utiliserai aussi, vous le verrez, des crayons de couleur basiques. Allez, donc c'est parti. Donc je vais commencer par le bas du tampon, hein, tant qu'à faire. Donc là, je vais utiliser... Donc oui, je vous montre ma petite un extrait de ma palette de couleurs. Voilà, c'est bien pratique hein, comme système quand même pour se faire une idée réelle des couleurs quand elles sont appliquées sur du papier. Donc là, c'est ce que je fais. Donc vous voyez, j'ai fait ça très 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 bien, hein, à peu près aussi bien qu'un gosse de 4 ans. Mais on s'en fiche puisque de toute façon, l'essence minérale va vraiment estomper les coups de crayon qu'on peut donner. Alors honnêtement, n'y allez quand même pas trop fort pour celles qui débutent en la matière parce que ça va enlever les coups de crayon, soit, mais pas tous. Donc n'ayez pas la main trop lourde et donc prenez plutôt comme je viens de le faire si ça vous dit, hein. Bien sûr vous n'êtes pas obligé, c'est un conseil et les conseilleurs ne sont pas les payeurs il paraît, donc faites comme moi si vous le voulez pour avoir un résultat un petit peu sympa comme ça, mixez deux couleurs carrément, donc par exemple là j'ai mis deux verts qui sont côte à côte dans ma boîte de crayons. Donc voilà le résultat que ça donne, et c'est volontairement, ne me faites pas la remarque, hein, c'est pas la peine, c'est volontairement que j'ai dépassé un petit peu pour donner un petit peu de le côté étoffé à l'herbe, voilà. Donc ici, vous voyez, ce sont donc des crayons évolution de Comté, donc c'est pas du tout des crayons aquarellables, ce sont des crayons de couleur standard. Et donc, oui, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de crayons de couleur aquarellable noir. Enfin, j'en ai un, mais bon, là, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, j'ai mes crayons de couleur normaux sous la main, donc je vais me servir de ça aussi. Et vous verrez que, de toute façon, le résultat est absolument identique. Donc là, je pars avec mon essence minérale du bas du champignon, donc comme ça, je commence à me diriger vers la couleur. C'est-à-dire, je pars pas de la couleur pour la faire descendre directement sur mon motif. En fait, je vais la chercher tout doucement, si vous voulez. Voilà, donc ben comme ça, ça donne un résultat vraiment diffus. Et donc ça peut être un effet recherché. Voilà, donc je trouve ça vraiment sympa le résultat. Donc bon là, c'est pas vraiment la couleur que ça aura à la fin, puisqu'il faut laisser le temps à l'essence minérale de sécher. Donc on peut prendre un peu peur au début en voyant son support assez humide comme ça, et se dire, oulala, j'espère que c'est pas la couleur qui va rester. Mais non, soyez pas inquiets, c'est pas la couleur qui restera. Il faut vraiment laisser le temps à l'essence de sécher, de s'évaporer. Voilà, donc là je vais mettre, alors j'aurai la main bien moins lourde, parce que vous m'avez vu rajouter de la couleur sur le dessous pour avoir, avoir une autre teinte de gris, une autre nuance de gris, voilà. Et donc encore une autre fois où je vais rajouter un tout petit peu de gris sous le champignon, enfin au niveau du, sous le chapeau si vous voulez. Donc là je change de couleur, donc j'ai estompé ma couleur bien sûr, hein, j'ai raté cette étape mais vous avez pu le voir. Enfin, vous l'aurez compris, quoi. Et donc là, je passe au rouge. D'ailleurs, j'ai même bien avancé. Et j'ai laissé l'intérieur complètement... Enfin, quasi sans couleur, on va dire. Comme ça, j'aurai une vraie lumière sur mon champignon. Donc là, j'estompe, bien entendu. Comme je viens de le faire pour la couleur grise. Et donc, bah, tout simplement, hein, voilà, j'ai remis de la couleur, j'ai réestompé. Enfin bon, je vous ai passé cette étape de la vidéo, bah, parce qu'en fait, voilà, hein, c'est un petit peu toujours pareil une fois qu'on a compris le principe. Après, c'est tout dépend de l'effet qu'on recherche. Donc là, vous me voyez mettre du noir, du très très foncé sur ma couleur. En fait, j'ai adopté cette technique maintenant, de temps en temps, pour mettre en couleur mes tampons. Bah, en fait, ça me rappelle un petit peu les couleurs qu'on
qu'on peut trouver sur les Gorgeous, tout simplement. Donc, ben, histoire que, voilà, mon tampon est assez naïf, hein, il faut reconnaître, il est tout mignon, mais il est assez naïf. Et donc, pour mettre un petit côté, bon, on va pas dire vraiment dramatique à la scène, mais pour donner, je pense, un petit peu d'intérêt aux couleurs. Et puis, ben, ça accentue aussi un petit peu les ombres, hein. Enfin, moi, personnellement, c'est un rendu qui me plaît beaucoup. Après, hein, c'est comme tout, ça plaît pas. Moi, ça me plaît, j'aime bien. Donc, je l'applique. Voilà, donc je vous montre de près ce que ça donne. Alors, je suis désolée, j'ai énormément de lumière sur ma vidéo. C'est rare m'entendre dire ça. Oui, parce que ce jour-là, il faisait très beau, donc voilà. Alors, donc là, je continue avec la robe de la petite fille. Donc, vous voyez, je vais utiliser encore une fois deux teintes. Après, on peut en mettre plus, hein, si on veut, mais bon, moi, pour l'instant, je vais commencer avec deux teintes. Et vous voyez, donc, je ne mets pas en couleur l'intérieur de la robe, l'endroit où la lumière est censée tomber. Je le ferai un petit peu plus tard, je rajouterai un tout petit peu de couleur parce que c'était vraiment très 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 clair et que ça ressemblait pas vraiment à ce que je voulais, donc voilà. Et le même principe sur son petit nœud. Alors là, donc j'ai mis une couleur plus foncée sur les ombres du nœud. En fait, j'ai accentué les ombres qu'on pourrait voir traditionnellement sur son nœud si la lumière tapait vraiment dessus. J'espère que je me fais comprendre. Donc là, je prends mes Derwent parce que j'ai très très peu de nuances de marron en fait dans mes Faber-Castell. Donc je vous montre, c'est des crayons que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, j'avais pas encore vraiment le temps de me servir. Et voyez, donc j'ai mis trois nuances, dont une couleur plus claire au milieu de la chevelure. Et donc après, eh bien, je vais commencer à estomper, puis à rajouter de la couleur, à estomper de nouveau. Enfin bon, tout ça, c'est un petit jeu, c'est un rendu qu'on veut. Donc là, vous voyez, encore une fois, j'ai dépassé au niveau des épaules parce que je voulais vraiment un rendu. Je voulais pas m'arrêter aux pointes de ses cheveux, si vous voulez. Je trouvais que ça faisait pas très naturel. Et donc voilà. Donc là, j'ai pris mon tout minuscule petit crayon orange pour faire une teinte un petit peu pêche à la peau. Et donc après j'ai rajouté un petit peu de... C'est une espèce d'hybride entre le jaune et le marron. Et donc je commence à estomper tout ça. Donc c'est sympa, ça donne une petite couleur bronzée bien sympathique. Et puis donc je vais lui faire, pour lui donner bonne mine, un petit peu de rose sur les joues. Et puis donc je l'estomperai bien comme il faut pour que quand même ça... on voit pas que ça en fait. Donc voici ce que ça donne. Donc entre-temps, je vous ai passé certaines étapes hein, où j'ai rajouté un petit peu de couleur rose sur la robe. Et donc là, ben, je vais attaquer son pull à rayures. Donc là, pour avoir un résultat comme je le veux, je vais juste mettre de la couleur sur comment dire, la périphérie, si vous voulez. Voilà. Donc je vais laisser de la lumière au milieu. Et donc je viendrai estomper tout doucement avec une toute petite estompe très, très fine. Donc ensuite je continue, je reprends un crayon de couleur traditionnelle et je vais faire ses chaussures. Voilà. Donc là j'ai vraiment très très estompé au final le résultat parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'ombre. Ça me plaisait pas trop. Donc du coup j'ai vraiment vraiment travaillé pour faire en sorte que la couleur au final soit très uniforme. Donc là je vais faire le ciel. Donc là vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça s'illustre bien. On voit bien l'essence minérale qui gorge le papier. Mais comme vous pouvez le voir ici, au final ça part très bien, hein, faut pas s'inquiéter. Donc là j'ai pris mon signo et donc je vais refaire un petit peu les points du champignon et puis les points de son petit nœud, bah, parce que j'ai beau avoir une estompe très très fine, et ben du coup j'avais quand même un petit peu débordé, donc je voulais que le résultat soit un peu net quand même, donc j'ai repassé rapidement comme ça. Et voici le résultat. Ah, en effet, ça fait carrément mieux. Alors ça, c'est une chute de découpe que j'avais gardée. Et donc, je veux faire un nuage embossé. Donc, je m'en sers comme gabarit. Et je prends donc mon stylo Ranger. Donc, c'est le stylo Embossed Pen. Et donc, ça distille donc de l'encre qui va faire adhérer ma poudre. Alors là, vous voyez, j'ai sorti ma UTI.
hein, que donc je me sers jamais, j'en ai un énorme pot comme tout le monde, hein, et puis je m'en sers jamais, donc là j'ai dit tiens, ça fera l'occasion de s'en servir, parce que bon, je voulais un résultat vraiment très glossy, très et j'aime beaucoup au final la UTI, faut vraiment que je me la garde sous la main et m'en servir plus souvent. Donc vous voyez, ça a débordé un petit peu, ça fait comme des petites bubules, et je me suis dit mais tiens, c'est vachement sympa comme rendu, et bah, vu que j'en avais pas sur l'autre, bah, j'ai fait quelques points avec mon stylo à embosser. C'est pour ça que c'est vachement pratique d'avoir un stylo à embosser pour faire des petites surfaces comme ça, mais rassurez-vous, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un stylo colle et faire des points également comme ça, ça marche aussi. Alors pour mon sentiment, donc je vais utiliser cette petite planche de tampon que j'ai depuis un petit moment. Alors je vais vous montrer la marque, oui. J'ai tourné, j'ai vu qu'à l'arrière il n'y avait pas de marque. Donc je vous montre rapidement son petit nom. Inutile de m'en demander plus, je pourrais pas vous en dire plus. Donc je vous laisse regarder sur la vidéo. Et donc là, vu que c'est des tout petits sentiments, donc je vais le placer sur mon tag. Voilà, parce que je me voyais pas mettre un gros mot. Enfin bon, c'est après. Enfin un gros mot. Un mot écrit en gros, hein, je m'entends bien. Je vais pas insulter la personne à qui je vais envoyer ce tag, hein, quand même, on est d'accord. Donc je me voyais vraiment mettre un petit sentiment, donc voilà ce que ça donne. Et donc j'aurais pu, hein, vous allez me dire, j'aurais pu le coloriser ou autre, mais je voulais garder cet effet comme si c'était un petit peu transparent, si vous voulez. Je trouvais que ça faisait vachement sympa. Voilà, mon tag est terminé. Tout ce que j'ai fait hors caméra, j'ai rajouté un petit ruban vert, en fait, hein, pour rappeler la couleur de l'herbe qui se situe en bas du tag. Et je l'ai collé avec du double face. Voilà. Bon, et bien, j'espère que ça vous plaît également, que ça plaît surtout à la personne qui l'a reçu. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo création. Gros bisous, bye bye. Thank you.